Kirsty? Je veux bien que tu aides, mais quand je suis là, je dois te superviser, d'accord? Pas de nettoyage sans supervision. Désolée. Évidemment. Hé, pulsion de mort. Par ici. Ne fais pas attention à elle, elle a des problèmes émotionnels. Va mourir ailleurs, Anna. Je fais de mon mieux. Elle a l'air sympa. Ouais. Mais c'est pas sa faute. C'est la société. Tiens, prends un siège, je vais te montrer quelque chose. Tu vois ça, là? C'est simple. Quatre notes. Bam, bam. Bam, bam. Je joue le reste. Le sergent Blake est là. On vous attend au bureau central. Entrez. Seigneur. Erica Mason. Le portrait de ta mère. La dernière fois qu'on s'est vu, tu dépassais à peine le bureau. Je suis Lucien Flowers. J'ai créé cet endroit avec ton père. Je vous reconnais. Vous avez votre portrait dans le couloir. Seigneur, je déteste ce machin. Je ne l'ai pas remplacé pour faire plaisir à ton père. Tu as bien dormi? Je sais qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à cet endroit. C'est assez intense. Les filles peuvent avoir de mauvais jours, mais on fait du bon travail ici. Elles sont entre de bonnes mains. J'espère que ça ne te gêne pas. Mais... je t'ai apporté quelque chose. Ça vient de ton père. Ta mère lui a donné le jour de leur mariage. Je l'ai...
simplement gardé. Voilà. Je suis désolé. Je viens de me renseigner auprès des légistes. Erika, il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué Monsieur Johar. Il y a peut-être d'autres victimes dont nous ne savons rien. Il y aura sans doute d'autres meurtres. Suis-je en danger ? Tout ce que nous savons, c'est que celui qui a tué Monsieur Johar s'intéresse à vous. Honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Mais Monsieur Flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père. J'ai des flashs. Des cauchemars. Une silhouette, une femme armée. Et c'est tout. C'est comme une thérapie. Elle a été développée par ton père et... elle pourrait te soulager de tes cauchemars. C'est 100% indolore. Sans aucun risque. D'accord. D'accord, je vais le faire. Les images que vous allez voir sont conçues pour vous relaxer et vous ouvrir l'esprit. Votre père a conçu la régression thérapeutique pour aider les patients traumatisés. La première n'est qu'un test. Quand vous la voyez, dites ce qui vous vient à l'esprit. Le... Très bien. Bon. Si vous pensez à une chose importante, écrivez-la. Je sais que c'est dur de revivre un traumatisme, mais c'est sans danger. Commençons. Beauté. Va bien. Allez, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Vous dessinez. Tout va bien, vous étiez en train de dessiner. Pourquoi l'avez-vous dessiné, Erika? Pourquoi avez-vous dessiné votre mère? Votre mère m'a dit que cet endroit était toute sa vie. Elle travaillait ici?
est tombée amoureuse ici. Tu es née ici. Et puis, elle est morte ici. Le docteur Ballard m'a suggéré de te montrer ça. Tu as été courageuse d'affronter cette épreuve. Je ne suis pas surpris que tu aies vu ta mère. C'est difficile, Erika. Ça prend du temps. Je vais réessayer. Tu dois te reposer, t'éclaircir les idées. Nous recommencerons une autre fois. Suis-moi. Je veux te montrer quelque chose. Tiens, tu en auras besoin. Ton père a planté ses lauriers roses à la mémoire de ta mère. Elle les adorait. Elles nous ont toujours porté chance. Dégage! Non mais lâche-moi! Casse-toi! Désolé. Parfois, les filles ont des jours difficiles. Certaines d'entre nous préfèrent ne pas en parler. Anna, je ne pensais pas te voir debout. Voici Erika Mason, elle restera quelque temps avec nous. Je t'ai pas arrosé de sang ce matin. J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Tu veux venir? Dégage, c'est quoi ton problème? Ou tu peux aller tenir compagnie à Toby. Laisse-moi en fait, tranquille. Le déjeuner va être servi. C'est très impressionnant. Pourquoi ne pas aller te chercher quelque chose à manger et rencontrer les autres filles? Oui, tout le monde adore partager un vieux sandwich mou avec un tas d'étrangers. Je devrais peut-être aller voir Toby. Pas de problème. On se voit un peu plus tard. Erika, c'est très gentil de ta part d'aller la voir. N'oublie pas que certaines de ces filles sont manipulatrices. Fais attention, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu me suis? Lâche-moi! T'es une touriste. Tu sais rien. Cet endroit a des secrets. Fais bien attention ou tu risques de souffrir. Comment ça, cet endroit a des secrets? Oh, je vois. Tu cherches l'aventure? C'est ça? Très bien. Suis-moi. Mal, hein? Tiens. Un petit quelque chose que j'ai préparé. Qu'est-ce que c'est? Un poison mortel. Je te jure. Fais gaffe, ça arrache.
Est-ce que c'est vrai? On t'a envoyé la main de ce type dans une boîte? T'es ici parce que tu te caches? Oui. Ton père était pas une sorte de médecin génial? Il a vraiment fondé cet endroit avec Lucien Flowers? Oui. Et ta mère, hein? Il paraît qu'elle est morte ici. Si, je crois. Ouvre. Tu l'as vu? C'était pas moi. La fille qui l'a fait est morte. Elle faisait des rêves bizarres. Des fleurs roses qui tombent du ciel. Elle saignait du nez. Et puis... elle a dessiné ça. Elle saignait du nez? Ouais, comme Anna. Je l'ai pas écoutée. Tout le monde disait qu'elle était folle. Après sa mort, j'ai découvert ça. Vas-y. Tout en bas. Ça vient d'un ancien temple dans un endroit qui s'appelait Delphes. Ils utilisaient des femmes. Ils les droguaient, comme des fous. Ils pensaient pouvoir leur faire voir l'avenir. Les filles sont tombées malades. Elles ont eu des crises. Des attaques, puis elles sont mortes. Tu penses qu'il faut un truc dans ce genre ici? Je sais, ça a l'air fou. Mais... regarde ça. Il y a quelque chose là derrière. Un tunnel ou un truc comme ça. Dis. Tu sais comment Papy Flowers s'est fait tout son argent? Les marchés à terme. Crevé. T'es pas crevé.
regardez qui voilà. Où est-ce que t'étais passé? Je t'ai cherché partout. T'as du courrier? Ça a l'air cher. Oh, c'est trop beau. Ben, ouvre-le. La vache, c'est affreux. Méfie-toi. La boîte a été expédiée hier. On essaie d'avoir une description de l'expéditeur. Tenez, jetez-y un coup d'œil. C'est la maison de Steinbeck, le responsable de nuit. Nous avons une équipe sur place. Il a disparu. Pourquoi avait-il ce symbole tatoué sur le bras? Il y avait le même sur le panneau dehors. Ça vient du temple d'Apollon, à Delphes, en Grèce. Leur devise était « Connais-toi toi-même ». Ton père pensait que ce serait bien pour nous aussi. À sa mort, nous avons retiré les panneaux, mais Karl a gardé son tatouage. C'était la sienne? La peau? C'est pas officiel, mais c'est le même tatouage. Et puis il y a ça. Pourquoi envoyer la poupée? Il y a une tache sur le bras. Un papillon, le même que celui-là. On va devoir retourner à votre appartement. Il faut que vous jetiez un coup d'œil et vérifiez que rien d'autre ne manque. Vous pouvez prendre quelques vêtements et ce dont vous avez besoin. Je pense que vous serez ici un moment. Tout va bien? Désolé. Je vais aller voir si les voisins ont vu quelque chose.
Restez là. Fermez la porte. Police! Ouvrez la porte ou nous l'ouvrirons de force. Éloignez-vous, je vais défoncer la porte. Carl Steinbeck est mort. C'est une scène de crime. Ne touchez à rien. Où est-il ? Restez ici. Ne quittez pas cette pièce.
Non. Ne touchez à rien. Il n'y avait personne dans votre appartement. Venez, il faut qu'on sorte d'ici. Anna pour je sais pas quelle opération. Elle a grandi dans une famille adoptive pourrie. Elle a simulé une dépression pour partir et a atterri ici. Elle était même pas malade. Et là, ils vont l'ouvrir. Ouais. Allez. Regarde dans la table de chevet. Cherche tout ce qui a l'air bizarre, pas à sa place. En quoi est-ce que ça aide? On enquête. Enquêter, c'est utile. Ça pourrait être toi. Ou moi. Je les vois dans mes rêves. Des pétales roses qui tombent. Anna est partie. Nous devons d'abord étudier certaines des preuves de l'appartement. La plupart sont reparties au labo, mais il en reste deux ou trois que nous aimerions vous montrer. Ne vous inquiétez pas. L'inspecteur chef a dit qu'on pouvait faire ça ici, chez lui. Faire au manoir d'elfes? J'ai essayé, mais je crains que le docteur Ballard n'ait mis son veto. Après ce qui est arrivé ce matin avec Anna, je ne lui reproche pas. Venez, entrez. L'eau chauffe. Inspecteur chef. Que pensez-vous? On approche? C'est elle? Oui, c'est elle. D'accord, bien. Et ça? Nous l'avons trouvée dans son appartement. Elle s'appelle Mia Green.
C'était une patiente du manoir d'Elfe. Elle était très proche de votre mère, elle était très... protectrice avec elle. Parfois agressive aussi. Elle connaissait mon père. Je crains que ce ne soit pas si simple. Erika... La nuit où ta mère est morte, Mia Green s'est introduite dans la pharmacie. Elle a fait une overdose et elle est morte. Non, elle... Elle a dû faire semblant. Peut-être. Nous avons demandé un moment. Au juge pour exhumer le corps. En attendant, nous travaillons avec la compagnie de téléphone pour essayer d'obtenir une piste. Attendez, je vais vous aider. Non, non, c'est bon. Blake, vous voulez bien... Résidence Colker ? Oui, c'est le sergent Blake. Tout de suite. Je dois y aller. Il y a un intrus au manoir d'Elfe. Je viens avec vous. Non, pas vous. Ce n'est pas sûr. Je viens avec vous. Non, Erika, il a raison. Vous ne pouvez rien y faire. Erika, est-ce que ça va? Tu saignes? Allez-y. Je m'occupe d'elle. La salle de bain est par là, dans le couloir, tout au fond.
Bonjour, Erika. Je t'ai manqué. Vous l'avez tué. Il le méritait. Ils le méritaient tous. L'inspecteur chef, Stenbeck, Johar, ils étaient de mèche. Je ne te ferai jamais de mal. Ne m'approchez pas. Je ne veux pas te faire de mal. Je suis là pour te protéger. Vous avez tué mon père. Il a fait de moi un monstre. Il a pris ta mère et l'a enfermée. Il y a un autre monde sous le manoir d'Elfes. Des passages secrets et des portes cachées y mènent. Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout, et tu t'en es débarrassé. Mais en voilà un autre. Les verrous sont dans les murs. Trouve-en un et vois par toi-même. C'est une vieille ferme. Au cœur de la forêt, entre ici et le manoir d'Elfes. Je t'attendrai là-bas. Viens seul. J'aurais dû rester. Il n'y avait personne. Rien qu'une des filles qui essayait de voler des médicaments. Quelle fille ? Toby Neumann. Ce n'est pas la première fois. Ils auraient dû se méfier. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ça va. Essayez de dormir un peu. Vous êtes en sécurité, je vous le promets. Ça ira. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien dit? Rien qui puisse nous aider à la trouver? Non. C'est rien. Je serai en bas s'il vous faut quelque chose. Ce n'est pas mon problème. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Vous le savez très bien. Je sais, mais je dois découvrir qui les a tués. Ils n'auraient pas dû mourir, pour commencer. Cela pourrait provoquer de sérieux retards dans ce que je fais. C'est le travail de ma vie, vous comprenez? Et que faites-vous précisément ici? Cela ne vous regarde pas. Il semblerait que rien ne me regarde en ce moment. Faites simplement votre boulot, et surtout, occupez-vous correctement d'Erika. Correctement. C'est tout ce que j'ai à vous dire.